Bon, les amis, l'heure de la vengeance a sonné. Là, clairement, là, on est au niveau émotion. Jonah est mort. Là, c'est clairement, ça va être chaud. Chaud comme la braise. Allez, on est parti. Je pense que là, Lara, elle est motivée plus que jamais. On va faire un carnage. Et je pense qu'eux, ils sont prêts aussi. Il faut que je m'en débarrasse. Elle est là. Oh putain. Déjà. Ça commence bien. Ça commence très fort. Ramasser les bouteilles, d'accord. Ok. Signature confirmée. Prêt à tirer. Attention, grenade. Vous êtes nombreux, mes salopards, vous êtes nombreux. Il y a du laser là, c'est chaud. D'accord. C'est infernal cette histoire. Je laisse pas remonter en fait. Bon vieux fusil à pompe, mais j'ai que 9 balles. Voilà, faut que j'aille complètement à l'opposé, je pense. En fait, là, j'ai pas le temps de monter. Si je monte, c'est quelques balles et je replonge. Mais j'ai pas le temps de monter. Cache-toi. C'était le dernier. Ouah, c'était chaud. C'était trop chaud. Ah merde, j'ai le temps de rien ramasser. Ah ouais, pauvre Jonah, moi je pensais qu'il était mort. Ah oh non, pas ça. Non. Ah, c'était l'heure de la vengeance là. Jonah. Lara. Je suis là. Lara. Faut que tu m'écoutes. Essaie de ne pas bouger. Si je m'en sors pas vivant.
Ne dis pas ça. Attends, écoute. Il faut que t'arrêtes de t'en vouloir. On est tous responsables de nos choix. Il s'en sortira pas. Non, il peut pas mourir. Nous pouvons l'aider. Comment ? Nous devons l'emmener à l'observatoire, auprès de Jacob. Bah, Jacob, il est pas mort aussi. Jacob est le seul observatoire. Il est médecin, Jacob ? Je savais pas. Jacob, il va mourir. Je vais m'occuper de lui. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Il faut maintenir la pression. Préparez-le. Jacob, vous étiez mourant. Est-ce que c'est vous ? Dites-le-moi. Le prophète immortel. Ah ouais, carrément. Je peux être blessé. Je ressens la douleur. Je suis humain. Sauf que je ne meurs pas. Et la source divine ? Je l'ai trouvée il y a fort longtemps. Elle existe. Et son pouvoir est prodigieux. Mais elle n'a rien de divin. Alors vous leur mentez ? Depuis des générations ? Je n'en suis pas fier. Mais c'était pour les protéger. J'ai déjà utilisé la source pour rendre mes soldats immortels. Mais c'était une terrible erreur. Les soldats que j'ai croisés aux archives. Lorsque l'ennemi a pris Kitej d'assaut, les immortels ont recouvert la cité avec la glace issue de la montagne. Des milliers de gens ont péri. Ils ont commis cette atrocité pour garder le pouvoir. Les Trinitaires en feront autant. Mais à bien plus grande échelle. Ça ne vous ressemble pas. L'homme que j'ai appris à connaître ne ferait jamais de mal aux siens. Ouvrez les yeux. Tout ce qui est arrivé est ma faute. Et ça doit s'arrêter une fois pour toutes. Père ! Il passe à l'action ! Ils vont utiliser la force pour percer la glace. Il n'y a plus aucun espoir. Non. On va pas rester les bras croisés. Jacob, sur le plan, envoyez un passage secret qui mène à la cité. Le chemin des immortels. C'est bien trop dangereux. On n'a pas le temps de tergiverser. Vous savez que je peux pas baisser les bras. Si nous pouvions les ralentir, ça nous laisserait une petite chance. Je vais réunir les hommes et nous les attaquerons sur la glace. Pars sur le champ. Ouvre la marche. D'accord, ouvre la marche, c'est vraiment ouvre la marche. Ouvre les marches. Je pensais la suivre, ouvre la marche, je te suis. Non bah c'est vraiment ouvre la marche. Ok, il est plein de surprises ce Jacob. Donc c'est l'immortel alors. Waouh. La vallée géothermique. Trophée obtenu, le chemin le moins fréquenté.
sais pas s'il y a un petit feu. Attends. Ah mais c'est le feu que j'avais pas allumé. Bah voilà. On est revenu là, d'accord. Ah, faut que je fasse des munitions. Moi, je pourrais rien faire. Bon, ben voilà. C'est ça que je voulais faire, mais moi, en fait, j'ai vu Jonah avant. Et du coup, j'avais pas allumé le feu. Ah, et attends, il y a quoi ? Entrée de la cave. Ah, je me ferais bien quelques tombeaux, tiens. Bon, apparemment, Jonah n'est pas mort et Jacob non plus. Bon, on va essayer de faire quelques tombeaux. Enfin, un tombeau au moins. Les tombeaux, on sait jamais. Soit ça va vite, soit tu te prends la tête pendant des heures. Alors, il y en a un où ? Il y en a un juste là. Voilà. Il serait là en bas. Putain, je suis dessus là. Je suis au-dessus ou... J'ai pas bien vu. C'est où ? Ah, c'est pas le tombeau où il y avait l'ours. Voilà, j'espère qu'il est pas revenu. Quelque chose pour toi, nounours. Non, c'est bon, il est pas là. Ouais, c'est vrai, celui-là, je sais plus ce qu'il fallait pour y aller, mais je pouvais pas y aller. Est-ce que c'était le respirateur ou le filin ? Enfin, le fil... Ouais, c'est le respirateur. Bon, voilà, on peut y aller, on va faire ça. On laissera la quête principale pour après. On va essayer de faire un petit peu la map. Récupérer quelques trucs, les tombeaux, des quêtes. Voir un petit peu. Zone défi de tombeau facultatif.
Bon, les tombeaux, normalement, il n'y a pas d'ennemis. Examinons ce qui se passe. Ah merde. Oh, ah d'accord, ouais, tu meurs. Tu peux même pas remonter, c'est... D'accord. J'ai l'impression que ça va être chaud ici. Bon, un feu. Le sanctuaire des tourbillons. D'accord. Oh, ça va être tendu ici, ça va être tendu. Je m'y attendais pas du tout. C'était où ça? C'était là? Un étui à parchemin, incrusté d'ivoire et de pierres précieuses. Intéressant. Quelqu'un a rajouté une lanière en cuir grossier pour y conserver des plantes. Ouais, c'est pas vraiment le but à la base. Mais... Pourquoi pas, hein, le transformer en étui à parchemin en pot de fleurs, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah, c'est ici que c'est chaud. Je me rappelle de ces trucs-là, mais on n'en voit jamais, donc j'avais complètement oublié. Un pot en ivoire. Il semble avoir été sculpté dans une seule défense. Il est simple, mais le niveau de détail est impressionnant. Les rivières débordent de cadavres. Le sang de nos enfants inonde la vallée. Nous vivons, mais à quel prix? Notre cité est un tombeau. Nos fils et nos filles se font massacrer. Ouah, vengeance. Attends, on va pas y aller trop vite, il y a des pièges. Il doit y avoir un moyen d'entrer là-dedans. Ces corps.
Qu'est-ce qui s'est passé ici? Aucun signe de violence. Je fasse quoi avec ce bateau? Poussez-vous les nénuphars. Et là, il n'y a rien. Ah, là-bas, je peux monter. Sans marcher. Il y a beaucoup de choses, j'explore un peu parce que il y a pas mal de choses qui... Toi, ça va où ça? Ah, le feu. Ah oui, c'était ça, d'accord. Donc ça se passe par là. J'accroche ça à quelque chose. Ouais, ça a servi à quoi ça? Je sais pas si le bateau il peut rentrer. Attends.
Est-ce qu'il faut faire rentrer le bateau dedans? Essayer un truc. Non, je peux pas le faire rentrer. Ça va passer. Peut-être j'ai pas été assez vite. Voilà. C'était le dernier. Ah d'accord. Bon, je pensais qu'il fallait faire rentrer le bateau dedans. Bon, c'est pas grave. Prêt à être enterré dans une fosse commune. Dernier piège, non? Un vieux codex. Celui-ci semble être un guide d'alpinisme. Nouvelle compétence. Vous avez découvert si ce cas. Poigne de fer, vous escaladez la roche et la glace beaucoup plus vite. Les bains de Kitej. Bon, ben ça va, c'était. Ça a été rapide. J'ai pas trop galéré, ça va. Ça, c'est, ça, c'est où ça? Extérieur. Bon, ça va. Où? À part le vieux piège qui m'a niqué, ça va. Fusil à pompe. Bon, moi je suis chaud pour un autre tombeau. Juste que je ressorte de là. Bon, j'ai rien oublié, hein. Ça c'était là, il y avait l'ours. Je sais plus s'il y en avait un autre où il fallait un câble bizarre pour pouvoir passer. Le grappin bizarre là, maintenant je l'ai. Par contre je sais plus où il est le tombeau. C'est là. Heureusement il y a la carte.
tiens. Alors, il y en a un. Ici. Oh, c'est loin. Oh, il n'y a que deux tombeaux. On y va. Attends, est-ce que c'est bien par là? Que j'ai pas ramassé. Ça c'est quoi? J'oublie un truc. Est-ce que c'est en bas ou c'est en haut? Ça doit être là-haut. C'est pas ça quand même. Bon, je sais pas, il y a un espèce de document à récupérer. Non, là. Arrête de bouger toute seule la manette. Je préfère ça qu'un ours, hein, mais bon. Gardé par des loups. Oh, on voit les traces de sang et tout, c'est pas mal. Y a-t-il encore des pièges? Je m'attends à tout. Il doit y avoir quelque chose par là.
Incroyable. Cette architecture est antérieure à la naissance de l'Église orthodoxe. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Une boucle de ceinture en or. À l'aftique. Elle faisait partie d'un uniforme militaire. Super. J'ai laissé ma femme aux mains de ces médecins. La maladie a évolué comme nous le craignions. Sa peau s'est transformée en écaille, et ses extrémités sont devenues insensibles. Ils disent qu'il n'y a plus rien à faire pour elle, si ce n'est essayer de soulager ses souffrances et rendre sa mort moins pénible. Wow, elle s'est transformée en poisson. La maison des amoindris. C'est fascinant. C'est parfaitement conservé. Ah non, pas assez rapide. Les trésors avant tout. Ah merde, je crois que c'est des pièces. Trois boulons enterrés ici. Un collier en or. Le niveau de détail est incroyable. L'artiste qui l'a fait était aussi doué que ceux de l'Empire. Des champignons. Voilà, reposons depuis le début. Attends, il y a ça aussi, c'est quoi ? Je pousse ou je tire ? Ah, il y a une corde dessus. On va recommencer le truc en allant un peu plus vite. Il y a un truc là. Ah, j'oublie un truc. Il y a même un feu que j'avais pas eu. Alors après. Thank you.
vu un sac à dos, je crois. Là-bas. Comment on fait pour aller là-bas? C'est pas un sac à dos déjà, donc. Alors j'avais fait ça. Essayer d'aller vite. Un truc à faire avec le chariot. Merde. Est-ce que je peux atteindre le truc? Attention, énigme. Attention les amis, énigme. Je pense qu'on va essayer ça. Ah merde, ah, je pense que c'est ça. Faut que j'attache le tonneau au chariot. Tout à l'heure, Liliana. Et maintenant. Ah, peut-être que je recommence avec ça. Je vois pas trop. Ah mais il est en haut le truc. Attends. Ah ouais, mais donc je peux passer. Voilà, j'avais pas vu que l'autre plateforme elle était montée. Thank you.
non. Je mets de l'eau. Ça devrait venir. Je dois juste trouver un moyen de monter. Bah, j'ai réussi un truc, mais je sais pas quoi. Alors là, franchement. Il y a un truc que je comprends pas là. Ça, je peux plus le bouger. Bah, c'est peut-être ça, attends. Lui, je l'accroche ici. Wow. Maintenant. Nous souffrons de notre isolement. Nous détenons tout le savoir médical de l'Empire, un millénaire d'enseignements qui nous indique comment soigner la moindre affection. Mais ici, aux confins du monde, l'absence d'une simple fleur nous rend impuissants. Je ne peux rien faire pour les malades. Je connais les techniques, mais je ne peux les appliquer, car nous avons dû nous cacher. D'accord. Bon, voyons ce que ça cache.
nous y voilà. Un vieux codex. On dirait un traité sur les liens entre le corps et l'esprit. Guérison accélérée. Bandez vos blessures plus rapidement en guérissant, maintenez, ouais, je sais. D'accord. Bon, terminé. Voilà, le deuxième. J'ai tout ramassé. Parfait. Parfait, parfait. Retour au fire. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore comme tombeau ? Bah, j'en vois pas là. Ah, si, il y en a un là, tiens. Sinon, à part des trucs à ramasser, je vois pas trop. Bon, on va se faire celui-là. Mais j'ai l'impression que... Il n'y a pas de truc campement, je vais aller là. Feu de camp dans les ruines. Mais ça, c'est quoi? Entrée de la crypte. Bon, on va aller là. Et je me fais le tombeau. Et petit point de compétence. Appuyer sur triangle en plein saut pour coincer des flèches escaladées dans le... Ouais, je sais pas, ça a l'air délicat cette histoire. Ouah, je sais pas quoi prendre. Je prends ça. Attends. Ça, allez. Inventaire. Plus de balles.